Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc, vous voulez faire ça sur Farming? Des chips. Moi et Pogboom, on va vous montrer comment faire des chips sur Farming. Elles seront peut-être pas aussi bonnes que celles-là, mais on va faire des chips sur Farming. Donc là, avant tout, salut Pogboom, ça va? Salut à tous. Ça va. Donc là, on va faire une petite vidéo. La dernière fois, j'avais fait une petite vidéo avec Pogboom, comment faire de l'huile. Et là, on va faire une petite vidéo comment faire des chips. A savoir que pour faire les chips, vous êtes obligé de passer par la vidéo de l'huile. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien juste au-dessus et ça va vous montrer exactement comment utiliser l'usine, comment récolter, tout, vendre, ce que vous voulez faire, mais tout sera expliqué pour l'huile. Donc sur cette vidéo-là, on vous expliquera pas comment faire de l'huile, on vous expliquera directement comment faire des chips avec les bases qu'on a déjà. Donc à savoir qu'on va quand même reparler un petit peu des bases qu'il va falloir avoir dans votre jeu. Donc la carte que vous allez devoir faire et aussi avoir les trois modes. Je le présenterai à chaque fois au début de chaque vidéo, c'est un peu embêtant. Mais tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc ça se pourrait qu'il y a quelqu'un qui ait zappé la vidéo de l'huile et qui veut passer directement par les chips et qui avait déjà compris pour l'huile. Et donc, au moins il sait. Donc là, la première chose à faire, il faut aller dans les cartes. Donc vous allez dans les cartes, dans les modes, et vous allez télécharger la Coronella. Donc téléchargez cette map là, si c'est pas déjà fait, téléchargez-la. Si vous l'avez déjà, ne téléchargez pas, c'est bon. Et donc après, vous allez devoir aller tout au fond. Voilà, bâtiment de ferme. Voilà. Et là, vous allez devoir télécharger trois modes. Donc vous avancez un tout petit peu et c'est assez facile, vous allez avoir trois modes ici. Donc le production TMR Pick Food, après vous avez le production pack et après vous avez le seed production. Ouais, c'est seed production. Donc vous installez ces trois modes là. Une fois que ces trois modes là seront installés, vous serez tranquille pour pouvoir faire votre vidéo, pour faire des chips, pour faire de l'huile, pour faire des planches, des tonneaux, etc. Nous on va vous présenter toutes les usines. Une par une, à chaque fois on doit travailler sur des vidéos, les préparer et tout. Donc, croyez pas qu'on va lancer une vidéo comme ça en 10 minutes. Hein. On travaille 2, voire 3 soirées avant, même si c'est pas plus, pour pouvoir préparer les tracteurs, les champs, récolter et tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de pouvoir vous présenter des vidéos tous les jours comme ça, c'est impossible. Donc là, ce que je vais faire, on va revenir en arrière et je vais lancer la partie multijoueur avec Pogboom. Et on revient dans le menu pour pouvoir vous montrer tous les tracteurs que vous allez avoir besoin. Comment faire marcher l'usine, tout ce que vous avez besoin pour faire des chips. Et on va faire des chips. Donc, à tout de suite. Donc là, voilà, on est arrivé dans la ferme directement. Donc, je suis toujours avec Pogboom qui est juste là derrière moi. Voilà, il est en train de sauter. Donc là, la première chose, la phase numéro 1, on va vous montrer le matériel qu'il faut avoir. Alors, toujours pareil que sur la vidéo de l'huile, le matériel que je vous présente, c'est mon matériel à moi. Vous pouvez vous adapter, c'est-à-dire si vous n'avez pas le même tracteur, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la même remorque, par exemple, si vous avez un déchômeur qui est plus petit, c'est pas grave. Adaptez-vous avec votre matériel. Nous, vous voyez l'argent qu'on a avec les panneaux gouvernementaux. On a énormément d'argent, donc on peut acheter du bon matériel. Pareil, pour la machine à pommes de terre, je préciserai qu'il y en a d'autres. Je pourrais même vous les montrer. Donc, dites pas, ouais, j'ai pas tel tracteur, donc ça ne marche pas. Ça marche avec n'importe quel tracteur, les petits, les grands, les moyens. C'est vraiment juste une base qu'on vous explique. Vous allez devoir faire ça, ça, ça. Donc, là, la première chose, vous prenez un terrain qui est nu. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait rien dessus. Rien. Que de la terre. Donc là, vous pouvez directement mettre de l'engrais avec de l'engrais solide ou de l'engrais liquide directement. Donc ça, c'est assez facile. Normalement, si vous connaissez Farming, c'est la base, en fait. Si vous allez mettre de l'engrais pour avoir 50% de fertilisant, et après, il faut avoir remettre de l'engrais pour faire 100%, à savoir qu'entre deux, vous devez avoir une manipulation. C'est-à-dire, par exemple, vous allez devoir mettre du fertilisant, déchauffer et mettre du fertilisant. Si vous mettez deux fois l'affilée, vous n'aurez jamais les 100%. Ça restera sur les 50%. Donc là, pareil, on va aller vite. Des chômeurs ou la charrue, peu importe, la taille, peu importe. Le tout, c'est de retourner le terrain, de le remettre correctement s'il y a déjà des récoltes dessus. Donc si, par exemple, votre terrain, il y avait du blé avant, ben, vous devez déchaumer ou la coup de charrue. Donc là, le déchaumeur, nous, on a version XXL. Mais si vous avez le petit... Ah ouais, ça
Vous voyez grand celui-là. Si vous avez vraiment le petit déchômeur, c'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc celle-ci, par contre, vous allez avoir besoin. Donc là, on va parler de la récolte de pommes de terre. Donc à savoir que pour l'huile, il vous faut quoi? Il vous faut une planteuse, vous allez mettre du tournesol, vous allez récolter avec une moissonneuse batteuse, et c'est tout. Point final. Donc ça, c'est sur la vidéo de l'huile. Vous pouvez aller voir, et on vous montre pareil tout le matériel. Là, on va plus parler de la pomme de terre. Donc là, vous allez devoir acheter une planteuse à pommes de terre. Donc il n'y en a que une, sauf dans les modes, je crois qu'il y en a quelques-unes, mais dans le jeu de base, c'est celle-là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas... Pardon. Il n'y en a pas d'autre. Mais dans les modes, je pense qu'il y en a quelques-unes, mais bon. Moi, je préfère vous montrer directement celles qui sont dans le jeu de base. C'est plus pratique. Donc là, pareil, planteuse à pommes de terre, vous récupérez. Donc dedans, il y a deux ingrédients à mettre. Vous allez mettre directement... Alors, c'est pas des pommes de terre, c'est du... Alors, que je vais vous montrer parce que souvent, les gens ne le savent pas. Vous allez dans sac à engrais et vous mettez la semence. Voilà. Vous cliquez sur semence. Voilà. Par contre, sur celle-là, il faut prendre palette et vous devez mettre de l'engrais liquide. Donc le premier, celui à 3200. Donc voilà, au niveau de l'engrais, celle à 3200. Donc ça veut dire que quand vous allez mettre directement la semence, elle va atterrir là-dedans. Et quand vous allez mettre l'engrais, elle va atterrir dans les petits bacs là jaunes. Voilà, ça c'est vraiment... Donc ça veut dire que lui va fertiliser en même temps. Donc si vous passez un coup de fertilisant plus ça, ça marche aussi. Donc le tracteur, pareil, on a un Vartor, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Donc là, pareil, au niveau de la récolteuse de pommes de terre, donc la machine qui récolte les pommes de terre, donc il y a l'appareil pour retirer les fans et l'appareil pour tirer les pommes de terre. Le problème, c'est que voilà, ça c'est la version XXL, vous avez la version plus petite qui est directement ici... Voilà. Tu tires avec un tracteur, donc, celle-là, c'est la machine. C'est celle-ci, voilà. Vous allez devoir mettre directement devant une défaneuse pour enlever les fans et directement la machine à pommes de terre. De toute façon, normalement, vous avez une vidéo sur ma chaîne, comment ramasser de la betterave, comment ramasser de la pomme de terre. C'est exactement pareil. Donc là, vous allez ramasser la pomme de terre qui va atterrir directement ici dans ce bac en dessous. Là, où il va avoir un bac et vous allez avoir des pommes de terre directement. Les pommes de terre, ça donne ça exactement. Vous voyez, on voit de toute façon, on voit. Donc là, c'est les pommes de terre qui sont récoltées que j'ai mis dans un man. Le camion, il baigne en vérité. Donc on peut ouvrir soit par l'arrière, soit c'est un camion baigne. Donc ce camion-là va terminer dans l'usine à chips avec l'huile. Donc ça, après les bases, je vous dirai qu'est-ce qu'il y a à mettre. Oh là là. Après, ici, vous allez avoir le JCB. Donc le JCB a une remorque derrière pour mettre du diesel dans l'usine. Donc je vais vous montrer pareil, vous appuyez sur option, enfin le pavé central pardon, ouais, vous allez dans pavé central, vous allez avoir à la fin dans divers, et vous allez sur le quatrième, voilà, et c'est le MKLC8, vous pouvez mettre directement du diesel dedans. Il faut qu'il soit marqué ici, la coronelle, s'il n'est pas marqué, ça ne marche pas. Voilà, donc là, ici, une fois que c'est noté, une fois que vous avez rempli 8000 litres, donc la cuve complète fait 8000 litres, donc à savoir que c'est à peu près 9000 € à la station essence, vous allez faire le plein complet, c'est une histoire de 9000 €, donc c'est énorme quand même, si vous n'avez pas d'argent, ça ne sert à rien, laissez tomber, ça va être vraiment compliqué. Et donc là, le petit dernier, le man, donc au niveau du man, vous allez avoir la remorque benne pour pouvoir remplir les chips, l'huile et tout. À savoir qu'attention, il y a une option, on va aller là-bas. Je vais vous montrer une différence. Donc, la différence de couleur, c'est moi qui l'ai faite. Mais normalement, toutes les remorques pour récupérer l'huile, les planches et tout, sont de couleur verte. Moi, je l'ai mis en jaune pour faire une différence. Mais attention, toutes les remorques ne prennent pas les mêmes choses. Par exemple, cette remorque-là va prendre de l'huile. Voilà, c'est des spécialités, on va dire. Donc, elle va prendre que de l'huile. Si vous arrivez à côté d'un paquet de chips, elle ne le prendra pas. Elle va prendre un paquet de chips. Vous voyez, marqué patas. Patatas, c'est ça? Non, c'est patatas fritas. Patatas fritas. Bah ouais, parce que je crois que c'est espagnol, voilà. Donc, ici, on a une remorque qui va prendre que les palettes de chips, pas l'huile. Donc, faites vraiment une différence entre les deux quand vous allez l'acheter. Donc, pareil, vous faites pavé central, divers. On va aller, ouais, c'est à la fin. Alors, c'est la ouais, c'est la IT New Runner et c'est la deuxième. Donc, c'est un mode hein, que vous allez devoir aller télécharger. Il me semble que c'était un mode. Donc, une fois que vous allez la deuxième, vous voyez, vous pouvez prendre de la farine, du sucre, des chips et du manger pour cochon. Donc, quand vous cliquez dessus pour l'acheter, vous voyez que si vous l'achetez tout de suite, là, vous n'êtes pas sur des chips.
Vous êtes par exemple sur de la farine. Vous tournez, là vous allez sur des chips. Vous tournez du sucre. Vous tournez, c'est quoi, du TMR. Vous tournez pig food. Donc pig food, c'est du manger pour cochon. Donc vous voyez que le logo à chaque fois change. Donc ça, c'est vraiment la différence à faire entre les remorques. Surtout, ne vous trompez pas. Alors, ma foi, moi, ce que je fais, c'est que je mets des couleurs différentes. Comme ça, les couleurs vert foncé, on sait que c'est l'huile. La couleur jaune, par exemple, le pink foot, on peut mettre du rose. Par exemple, le bois, on peut mettre du marron. Voilà, ça dépend, les remorques. Nous, on va les revendre à fur et à mesure. C'est plus facile pour ces ouais, mais je pense que nous, on va les revendre là, en réalité, on est vraiment basé sur l'huile et les chips. Donc, on va faire des remorques, mais je pense qu'après, à la fin, on va revendre les remorques et on va repartir sur des autres remorques pour pouvoir faire le bois ou les choses comme ça. Donc là, pour les bases, on est bon. C'est ça, hein. Donc... Voilà, donc là on va. Ah, il y a le chargeur Liber. Ouais. Donc ça c'est pour récupérer des patates qu'on avait jetées à terre. Ok, là, ouais. Ok. Il en fallait énormément et donc il n'y avait pas assez dans le premier camion. Donc je suis venu en jeter ici quelque part. Et donc ici, ben, les fameuses palettes d'huile qu'on avait fait dans la vidéo juste avant. Vous voyez, toutes les palettes d'huile, il y en a à peu près 4. Et encore, je pense que là-bas, il y a encore quelques bidons d'huile qui attendent. Mais bon, voilà, vous voyez qu'on a déjà 4 remorques complètes. Donc, ce qu'on va faire, on va parler de l'usine. On va commencer... Attends, on va parler de l'usine. Quand vous allez avoir l'usine, bon, pour faire des chips, il vous faut 3 choses déjà. Enfin, ouais, 3 choses. Il vous faut de l'huile, de la pomme de terre et du diesel. Voilà. Donc, l'huile, elle est ici. La pomme de terre, elle est là ou dans le camion vert là-bas. Et le diesel, il est là-bas aussi. Donc, ça, c'est bon. Mais à savoir que là, telle que l'usine, elle est inactive. Ça veut dire elle est désactivée. Quand vous posez votre, pour la première fois, votre usine, elle n'existe pas. Si j'appuie sur « Options », que je vais dans, par exemple, les animaux, vous voyez qu'on trouve que mon usine de produits d'huile, en fait, et mes planches. Voilà. Mais il faut l'activer. Donc, il va falloir activer votre usine. Donc là, pour activer votre usine, beaucoup de gens ne le savent pas. On a passé un moment aussi pour le faire. Vous allez là-bas. Ouais. Ici, où il y a ces deux grandes portes. La grande et la petite. Vous voyez ici. Il y a une petite zone. Voilà. Vous cliquez. Il y a une petite zone. Ouais, c'est la petite zone jaune. Donc vous faites L3. Et c'est l'équivalent de quand vous achetez des vaches. Quand vous achetez des vaches, quand vous achetez des chevaux. Vous voyez que là, il est marqué nouveau, chips 12 000. Vous faites croix. Et vous appuyez sur carré pour confirmer. Et là, vous avez activé votre usine. Quand on va aller dans options, vous voyez que maintenant, on a l'usine de production de chips qui vient d'apparaître. Donc là, l'usine est opérationnelle. On l'a activé. Donc là, voilà, on va commencer à alimenter directement l'usine. Donc, pour alimenter l'usine, donc il y a Pogboom qui va prendre le Liber et ouais, déjà jeter des pommes de terre à l'intérieur. Donc, les pommes de terre, vous les jetez ici. Tout ce qui est alimentaire, vous le jetez ici. Donc, regardez, là, il est complètement chargé. Regardez, hop, voilà. Il va commencer à normalement mettre dessus, voilà. Donc voilà, là on commence à alimenter, normalement on verra, c'est sur pause 2 secondes. Vous allez voir que voilà, là il va commencer à augmenter au niveau des pommes de terre. Hop, vous voyez, regardez, pommes de terre, 7884, 7900, donc voilà. Donc Pogboom a commencé à mettre des pommes de terre. Moi je vais aller chercher vite fait le camion là-bas. Le temps que toi tu fais des petits allers-retours, moi je vais prendre le camion qui est là, on va le vider aussi. Parce que celui-là, oh, il a bougé. Celui-là, on en aura besoin après pour pouvoir mettre l'huile à deux, en fait. Donc, par contre, ce camion-là, j'ai l'impression que la remorque, elle est buggée parce que de temps en temps, elle fait des trucs un peu bizarres. Elle fait du deux roues. Vas-y. Ouais, je te jure. Vas-y, vas-y. Comme ça, toi, le temps qu'après, tu fais un créneau, moi, j'ai le temps de faire le mien. Commence à voir les pommes de terre qui apparaissent au fond. Ouais, 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 c'est comme le tournesol en vérité. Donc là, moi, je vais faire marche arrière. Voilà, s'il arrive à monter, ouais, c'est bon. Parce que là, il y a quand même du poids dans le camion, donc c'est un peu lourd.
Ok, donc là, c'est bon. Moi, normalement, je vais pouvoir larguer. Ah, ouais, normalement, on peut larguer, ben. On peut pas bénir ici. Ça veut pas bénir? Ben non, j'ai l'impression qu'il veut pas bénir. Normalement, il peut bénir, celui-là. Attends. Ah non, je suis pas sur la remorque, c'est pour ça. Ou alors, ah ouais, ah ouais, j'étais pas dessus. Donc là, normalement, voilà, c'est bon, c'est parti. Ouais, ça baigne, donc là, on est en train de vider. Oh, ça se remplit bien. Ouais, mais il y a de la marge, hein, tu peux y aller. Hein. Oh, il y a de la marge. Là, on est à combien? Là, on est qu'à... On a 60 000 et quelques. Ouais, t'as encore, là, t'as encore le temps d'en mettre quelques-uns. T'en mets encore un, voire deux, ça doit être bon. Après, on passera à l'huile. Donc là, moi, je vais poser la benne ici. Parce que de toute façon, la benne, on n'aura plus en avoir besoin pour l'instant. Donc, soit je la revendrai, soit on la gardera pour le sucre ou quoi, on verra bien. La canne à sucre, peut-être. Ok. Donc, je vais récupérer en attendant la benne jaune pour tout à l'heure. Je vais juste préparer le camion pour la suite, quand on va devoir récolter les chips. Voilà. Donc, est-ce que ça fait... Non, c'est... on va attendre. Donc j'aurais pu laisser le moteur en route en enlevant l'automatique, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Donc là, on a mis des pommes de terre. Non, c'était pas ça que je devais faire. C'est moi qui a fait une connerie encore. Puisqu'on va devoir récupérer l'huile. Donc. Ah ouais, d'abord mettre de l'huile. Ah, on va devoir le mettre de l'huile. Donc là, hop. Donc là, je prépare le premier camion, je vais chercher le deuxième camion, je vais enlever la remorque pour toi. Comme ça, on va faire les huiles en même temps. Non, ça c'est pour le diesel. Le diesel, nous, on le met toujours à la fin. Donc le diesel sera mis à la fin directement. Ok, donc là c'est bon. Ouais, ça va, il n'y a pas une très très grosse quantité, mais après, il faut savoir que j'en ai quand même ramassé beaucoup. Hein. J'ai ramassé un très très grand champ, j'en ai mis beaucoup. Hein. Voilà. Donc là, on est bon, j'ai préparé les deux camions pour pouvoir mettre l'huile. Ouais. Il reste encore un peu. Voilà, les deux camions sont prêts l'un à côté de l'autre. À combien là? On est à 79 952. Ouais, ça devrait être bon. Tu peux, après tu peux arrêter. Ouais, on va mettre l'huile. Donc, peut-être qu'après on aura de l'huile à aller chercher là-bas. Donc pour l'instant on va faire ça. En plus ça va, il en reste plus grand chose. On le jettera à la fin de la vidéo. Donc là, on peut prendre chacun un camion. Allez, moi, je vais prendre le noir. Et on va récupérer la première palette d'huile. Donc la palette d'huile, on la met au même endroit que les pommes de terre, mais vous déchargez pas, par contre. Vous voyez que là, on va prendre la palette, on va la monter. Voilà. Donc là, oups, là, ça glisse. On va faire marche arrière. Et vous allez devoir vous mettre, vous voyez le carré jaune, vous allez devoir vous mettre dessus. Normalement, ça va vider. Regardez, hop, c'est bon, c'est parti, voilà. Tu vois les deux roues au milieu, tu les mets dans le carré jaune, ouais. Tu vois, les deux roues. Ah ouais, ça se... Regardez, voilà, là ça commence à se vider. Donc par contre, il faut attendre un petit peu parce que ben, il vide un par un, il vide litre par litre. Hein. Donc là, on est à combien? On est à 7200 litres. 8000 litres, ouais, ça commence à monter plus. Donc après, là, l'avantage, c'est que tu peux laisser le camion, par contre. Hein. Tu peux, par exemple, laisser le camion, descendre, ouais. Il va continuer à vider. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si vous voulez, par exemple, faire autre chose, vous pouvez. Vous videz, vous laissez le camion là, vous revenez dans 5 minutes, le camion sera complètement vide et vous serez tranquille. Ouais. On a bientôt fini, c'est ma dernière palette. À
contre, c'est quelque chose qui est gourmand en huile, hein, parce qu'on est déjà 19 millilitres et, ouais. Et encore dans 20 millilitres. Ah, à mon avis, ouais, il consommera ouais. plus d'huile que des deux pommes de terre. Ça consomme beaucoup, ouais, deux pommes de terre. Donc là, on va le mettre là, juste à côté, histoire de pas trop les mettre n'importe où. Ah, et moi aussi, ça. Donc moi, je vais prendre la deuxième palette, en attendant. Donc là, on va attendre que Pogboom a fini. Donc, pour l'instant, normalement, on n'est pas censé encore avoir de chips. Parce qu'on n'a pas encore mis de diesel. Normalement, comme on n'a pas, pas mis le diesel. Donc, Là, au niveau de l'huile, on est déjà dans le orange, on a 35 minutes. Après, si tu veux, ouais, bah, je vais mettre le diesel. Ouais. Moi, je vais mettre ma palette là, après, je la mets sur le côté et après, je mettrai le diesel. Et, ouais, vas-y. Hop, voilà. Là, c'est bon. Dylan, il a allumé ses petits gyrophares et tout. J'ai oublié comment on allumait les miens déjà. Tu fais R1 et flèche du haut. Ah ouais, c'est vrai, c'était comme ça. Ouais. Il y a tellement de trucs à retenir à un moment que... Alors, il est plein ou quoi? Non? Non. Voilà. Ah, je sais pas, j'essaie de vider, pour l'instant, elle veut plus. Ça va pas? Ah oui, faut que t'avances un peu, je pense. Non? Parce que là, on peut encore vider. Ah ou t'es pas sur la benne? Sélectionne la benne. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Non, non. Non, non, ça va. Ça va pas? Ah, j'ai l'impression que quand je veux vider, il veut pas. Attends, on va essayer quand même de se mettre un peu plus sur le côté, ouais. Normalement, si on mettait les deux roues arrière, c'était bon. Tiens, essaye, toi, tu verras. Mais... Ah merde, je me suis pris le mur. Ah, toi, ça vide. Bah, c'est bizarre, t'as vu, moi, je me suis mis, ça n'a pas vidé. Bah, c'est pas grave, au pire, tu prendras le camion. Moi, je vais déjà commencer à mettre le diesel. Pourtant, je me suis mis exactement au même endroit. Hein. C'est bizarre. Il veut pas de mon huile. Voilà, c'est tout. Oh, mon avis, ouais. Il préfère l'huile à Pogboom, il veut pas d'huile. Oh, elle est plus bonne, ton huile. C'est pas la bonne huile de friteuse. Ok, bon, bah, moi, je vais mettre le diesel hein, directement. Ouais, là. Ouais. Voilà. Au moins, ils vont pas me refuser mon diesel. Hein. Normalement, donc, là, au niveau du diesel, vous avez votre petit emplacement ici. Hop, vous mettez la remorque dessus. Voilà, R1. Triangle, et là je suis en train de vider les 8000 litres de diesel. Donc, quand vous regardez bien, vous voyez que c'est quand même assez gourmand en diesel. Je vais vous montrer où vous allez remettre votre diesel si vous voulez, le temps que Pogboom il vide les cuves. Sinon, tu te casses pas la tête, hein, tu mets ma remorque au sol, tu gardes ton camion. Donc, là on va essayer de faire une marche arrière comme ça, proprement, mais bon, avec ces remorques là, je déteste ces remorques. Les remorques comme ça, j'aime pas du tout. Ah ouais, elles sont chiantes à manœuvrer, j'aime pas du tout ces remorques. Ah, il va me gêner mon camion. Attends, je vais descendre, il va me gêner mon camion. Là, ici. Ah, je vais essayer de me mettre là directement pour voir. Hop. Alors, ah, c'est juste que je vais le bouger, mais gars, on dirait qu'il braque pas. Le sol, comme il est mal positionné, le sol. Tiens, je te laisse le reprendre, mais regarde, tu verras, il se vide pas. C'est bizarre. Vas-y. Donc là, moi, je vais aller vite fait remettre à la station essence, comme ça, on va pouvoir le remplir. Donc là, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à mettre quoi. Oula. N'hésitez pas à laisser les moteurs démarrer. Donc vous enlevez démarrage automatique. Vous laissez les moteurs démarrer. Comme ça, lui, il va se remplir tout seul. Très tranquille. Voilà, la station essence, elle est juste ici. Donc là, vous appuyez, hop, R3, commencez le remplissage.
Mais vous voyez que c'est très très long. Donc moi quand c'est comme ça, j'appuie sur option. Je mets démarrage des moteurs automatiques, je mets non. Hop, voilà. Et là, vous voyez que là, écoutez, voilà, c'est en train de remplir. Donc vous pouvez laisser le tracteur là en mode tranquille. Il n'y a pas de souci, ça remplit. Bah écoute, c'est bizarre, moi non plus. T'arrives pas? T'as les pleines? Essaye de la faire avec ton camion peut-être. Ah, tu l'as déjà rempli. Bon, c'est pas grave, mets là sur le côté, de toute façon, on a de l'huile. Donc remets-la à sa place. On l'utilisera on l'utilisera hors vidéo. Je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc là, on va préparer. Moi, je vais mettre le camion à Pogboom juste ici. Voilà, juste à côté. Hop. Hop là. Et donc, normalement, là, l'usine va commencer à produire. Donc, normalement, vous allez aller ici. Hop, vous allez dans production. Donc là, on a du diesel, on a des pommes de terre, on a de l'huile. Donc, normalement, on va pouvoir produire. Donc, je vais avancer le temps. On va le mettre à 120. Voilà. Et normalement, vous allez avoir des palettes de chips qui vont commencer à apparaître. Ici, exactement, normalement. Donc, il faut quand même attendre un petit peu. Et voilà, donc là, la première palette apparue. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de paquet de chips dedans. Et on va attendre. Voilà, le premier paquet de chips, il est bleu en plus. Attends, faut que je vois ça parce que j'ai pas... Chips GVR. Ah donc, ouais, c'est des paquets de chips... pas des paquets de chips directement comme on a à la maison. C'est, à mon avis, c'est des... Bah ouais, c'est marqué 50 litres. Ou alors, il y a plusieurs... Elle est marquée 50 litros, donc 50 litres. Bon, je suis pas espagnol, mais litros, ça c'est pas trop compliqué. Il est marqué GVR, chips. Et donc là, l'usine est en train de produire. Attends, je regarde. On dirait un paquet de Midka. Ouais, c'est ça. Chocolat. C'est vrai, ouais. Elle produit à peu près 72 litres. Ok, et on a 99%. Donc, comment ça marche? Pomme de terre, efficacité 70%, huile 30%. Ok, donc est-ce que ça va mettre longtemps ou pas, je sais pas. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre sur pause et on va laisser tourner le temps et on reviendra quand on aura un peu plus de paquets de chips. Donc voilà, là, on a avancé le temps pour pouvoir avoir plus de palettes. Donc là, on a avancé à peu près 2 jours. On a fait un avancement en nuit 2 fois, donc on a fait à peu près 2 jours. Et en 2 jours, l'usine nous a produit à peu près 15 palettes et demie. Donc vous voyez qu'ici, vous allez dire, ouais, il n'y a pas 15 palettes et demie. Non, il y a 11 palettes là-bas que je vais vous montrer. Et on a ces palettes-là. Celle-là, elle n'est pas terminée. Par contre, à la différence de l'huile, c'est que vous n'avez pas le logo qui apparaît. L'huile, quand la palette est terminée, on a un logo. Tu l'avais déjà vu, le logo avec la fleur de tournesol. Il y a un logo qui apparaît sur le ouais, pliage. Par contre, là, non. Là, tu vois, t'as les sacs qui sont pleins. C'est ouais, c'est bizarre. Donc, ici, vous voyez, voilà. Ici, on a à peu près 11 palettes. Qu'on a, moi et Pogboom, on a récupéré à chaque fois. À savoir que là-bas, vous pouvez stocker que 6 palettes maximum. Donc, si vous enlevez pas vos palettes à fur et à mesure, l'usine va arrêter de produire. Donc, la production va s'arrêter totalement. Il va être marqué qu'il n'y a plus de place. Et donc, l'usine va arrêter de produire. Donc, si vous voulez avoir énormément, c'est stocké. Les stocker ou les vendre directement? Ouais, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur le côté. Vous voyez, il y a de la place ici. Donc, vous allez même pouvoir faire plusieurs lignes. Le tout, c'est de savoir pouvoir recharger avec votre camion après. Voilà. Donc là, Pogboom, il va commencer à charger par là-bas. Allez. On va récupérer déjà les sacs qu'il y a ici. Et on verra bien si on a besoin du deuxième camion ou pas. Donc là, je vais monter là, comme ça on verra bien. Voilà. Non, il va se mettre à côté. Voilà. Et donc, ça commence à charger. Là. Ça commence. Là, c'est bon. Ça commence. Ok. Par contre, quand tu mets dans le camion, t'as un logo qui apparaît, par contre. Ouais, c'est des chips. Ouais, c'est le paquet de chips. Ouais, tu vois, c'est le paquet de chips qui apparaît sur le logo. Alors que quand tu le mettais au sol, il l'avait pas. Tu vois. Il l'avait pas. Ouais. Ok, donc là, t'as chargé à peu près combien au niveau du camion? Attends. Là, je suis à 50 palettes. Ouais. Ah, t'as quoi? T'as 5 palettes. Ouais. Voilà. Ok, bah vas-y. Il y a une qui est pas remplie. On va aller là-bas, là. Donc là, il va pouvoir remplir ici, exactement. Donc, je sais pas si je vais pouvoir me placer. Je vais peut-être me mettre sur la palette, là. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Il va faire marche arrière, on va regarder. Ah
C'est parti, voilà, ça commence. Donc là, ça va se charger quand même assez rapide. Ah bah si, gars, Jérôme, sur le camion, il y a maintenant, ça apparaît. De quoi? Ouais, le logo là, regarde ici, descend. Tu vas voir. Ici, regarde, tu vois, t'as un logo alors qu'au sol, normalement, tu l'as pas. Au sol, il apparaît pas. Ok. Bon, bah là, je suis plein. Donc là, t'es plein. Donc là, moi, je vais récupérer l'autre camion. On va quand même remplir l'autre camion. On va faire une petite marche arrière avec l'autre camion. Enfin, une marche arrière, une marche avant, peu importe. On va faire un petit combat. Ouais, et après, on va faire une petite photo pour la miniature. Donc ça, je vais faire hors vidéo, mais il faut une petite photo. C'est bon, ça charge. Et quand même, ça charge bien le camion. Ça va vite, ouais, ça va vite à charger. Ah ben... Ah, t'as encore une marche arrière, Jérôme ? Il y en a une autre, des parisiens. Ah ouais, il est en train de faire. Ok, quand même, hein, 15 palettes et demie, on va dire, allez, à peu près 16 palettes. Tu fais deux remorques. Ouais. Tu charges dans deux remorques. Donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre ici. Voilà, proprement. Hop là, j'ai tapé la remorque. On va se mettre ici proprement. Et voilà. Moi, je vais faire une petite photo pour la miniature. Et on revient tout de suite. Allez, donc là, on y va. Donc, on va les livrer là. Allez, on va relivrer. Donc, je te suis. Parce que là, on est en... Ouais, vas-y, je te suis. Comme ça, on voit le trajet sur la vidéo. Vas-y. C'est parti. De toute façon, il n'est pas compliqué le trajet pour aller vendre au centre. Il n'est pas compliqué. Hein. Donc, toi, tu es full 100%. Moi, je suis à 91%. 91%. Ouais. Là, c'est des camions qui avancent assez vite. Ah, ouais, les camions, ils bombardent. Donc là, au niveau de la vente, par contre, on va bien regarder où il y a le logo Chips pour être sûr de vendre au bon endroit. Tu vois. Ouais. Parce que moi, la dernière fois, tu te rappelles, j'avais été au fond. Au fond, voilà. Mais il me semble que ça doit être au bord. Ah, j'ai tapé un peu la barricade. Attends, je vais faire une marche arrière. Attends, bah, moi, je rentre en direct. Comme ça, je suis sûr et certain. Attends, je vais vérifier si on voit le paquet Chips. Ouais, si, c'est le troisième. Non, c'est pas là. Alors ici, tu peux vendre quoi? Du pelé, des œufs, du fromage, de la farine. Donc, regarde, il doit peut-être avoir un autre logo quelque part. Alors. Bon, attends, tu veux qu'on essaye quand même? Attends, je vais pas marcher arrière. Ah, essaye quand même, mais bon. J'ai l'impression que le logo, comme il est pas là, je sais pas si ça... Ouais, ça vend quand même? Ah, ils ont peut-être obligé, de mettre le logo, alors. Le panneau, ouais. Peut-être, ouais. À mon avis, il doit pas avoir le panneau. Ah, si, ça fonctionne. Ouais. Bah déjà avec à 100% on va voir combien ça fait. Ouais, donc, combien en vente. Ah, comme ça moi je me place pour pouvoir mettre derrière toi après. Plus 26 025 là. Ouais, c'est quand t'es passé. Ouais. À 26 000, si ça m'a vendu 3 paquets, ça va, ça ramène énormément. Bah, à mon avis, ouais, avec 8 palettes, attends. Tu vois. 24 000 euros, ça va plus 26 000. Ouais. Et 40, presque 50 000. Bah, c'est un peu moins que l'huile, mais. Ouais, l'huile, il y avait quand même plus. Ouais. Donc là, on attend de faire la livraison. Là, j'ai fait la moitié. Donc, je croyais qu'il y avait 10 palettes, mais non, il y a 8 palettes sur le camion. En fait, tout à l'heure, j'avais calculé 10 palettes. J'ai cru qu'il y avait 10 palettes, mais non, il y en a 8. Là, on a presque terminé. Il me reste une palette là. Ok, donc là, 700. Ok, 46 396. Ouais, c'est ça, il manquait quelques trucs, donc entre 50 et 55 000.
à peu près. Pour 8 palettes de... Bah 8, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est à peu près ça. Moi, je, avec l'arbre, j'ai rien vu. Je suis parti directement sur le rond-point. Ouais. Pas écraser les gens. Hein. Ouais. Attends, je pars en contre-temps. Oh, ah, mais... Non, c'est lance. Oh, j'ai écrasé madame. Oh putain, bon. Moi, la personne elle a traversé avant. Oh là, là il y a un stop. Oh, sur farming, ça fait longtemps qu'on n'a plus joué RP. Hein. Ouais. Oh, ouais, puis... oh, ben, voilà. Donc là, on a terminé. Ben voilà, on a récupéré. Donc là, il n'y a plus rien là-bas. La palette, elle a apparu, mais elle est vide en fait. Parce que ben. Ah, il y a un paquet. Bah, c'est parce que l'entreprise elle tourne encore, donc un paquet de chips, voilà, c'est tout. Donc là, voilà pour la petite usine de chips. Donc n'oubliez pas de regarder aussi sur le logo. Vous voyez qu'il y a bien le paquet de chips. Si vous prenez par exemple là-bas directement pour les planches, vous aurez des planches. Si vous avez l'huile, vous aurez le logo de l'huile. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, ben, 56 000 euros d'avoir, enfin, fois 2 à peu près, on va dire. Donc à peu près, on a vendu pour 100. Ouais. Soit à peu près 112 000 euros, on va dire. Les deux ouais, à savoir que on n'a pas tout vendu. Parce que normalement, on en a encore dans l'usine. On a encore diesel 14 000 litres, pommes de terre 74 000 et l'huile 63 000 litres. Donc ça va. Bon, on a 999 millions. Donc ça sert un peu à rien. Vraiment, là, c'est vraiment des tutos. C'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et présenter. C'est pas le fait de faire énormément d'argent sur votre ferme. C'est le but, peut-être. Mais nous, non. C'est plus des tutos. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de panneaux gouvernementaux, histoire de pas être embêté par rapport à l'argent, mais de pouvoir faire un tuto vraiment complet, de pouvoir vous expliquer. Donc voilà, ben on a terminé la petite vidéo. Hein. Donc la prochaine vidéo, je crois qu'on va faire qu'on a déjà commencé à préparer. Comme je vous dis, on prépare les vidéos avant. Donc voilà, donc on fait pas ça en 10 minutes, on fait ça en plusieurs soirées. Et donc là, on a déjà commencé à préparer l'usine de planches avec avec le champ de peuplier, tout le matériel qu'on a besoin. Donc pas trop spoiler. Ouais, on a déjà tout préparé. Vous voyez, là, vous avez déjà un petit aperçu de ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine... donc, la prochaine vidéo, ça sera ça. Et encore celle-là après, on enlèvera l'usine de chips. L'usine de chips sera disparue complètement de la map. Et on mettra l'entreprise de tonneaux. Et avec l'entreprise de tonneaux, eh ben, on récupérera les planches pour faire des tonneaux. Mais bon, voilà, c'est à la suite. Voilà. Et après, on fera tout. On fera le sucre, on fera le soja, on fera le lait. Enfin, pour faire du fromage, donc on va devoir mettre des vaches. Enfin, il y a plein de choses qu'on va devoir faire pour pouvoir avancer dans le jeu et pouvoir vous faire le maximum de tutos possible pour pouvoir vous expliquer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des mods que vous voulez qu'on présente, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On regardera et on essaiera de vous les présenter avec plaisir. Si on a le temps, on le fera avec plaisir. Le temps de nous laisser juste. Si vous me dites, ouais, comment on fait et vous voulez le savoir demain, ça va être compliqué, on va dire. Parce que, par exemple, je vous dis. Faut laisser le temps de préparer la c'est vidéo. Ça, même l'huile, on a mis quand même 3 soirées pour comprendre, pour l'usine et mettre le diesel et ceci, cela. Donc, si vous n'avez pas compris tout de suite comment l'entreprise marche ou comment tel objet marche, nous, il va falloir qu'on comprend déjà parce qu'on n'est pas des professionnels de farming. On apprend comme tout le monde. Oh, ouais. Les modes arrivent complètement en anglais et donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. À plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur « Abonnez-vous » et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.